Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout va bien et nous disons merci au Seigneur que nous sommes comptés parmi les vivants. Nous sommes en vie et nous toujours respirer. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, ce matin, ce soir, j'ai une opportunité pour montrer la caillou. Moi, mais font une petite causerie avant. Nous parlons un petit dialogue. Ti causerie ça, il va baser sur un mot. Il y a deux petits mots que je pensais qui étaient importants. C'est end well, finissez bien. Et si je t'ai posé une question, je t'ai demandé où, qui sont préférés? Est-ce que vous préférez un début, un commencement spectaculaire, ou bien on besoin d'une fin spectaculaire? Ok, ça dépend. Il y a des gens qui disent, ah, moi préféré le montrer. Tout le monde a applaudi, moi. Tout le monde connaît là, que le map sorti. Je pense que c'est beaucoup plus important. Il faut faire beaucoup d'attention aux gens qui ont terminé les choses. Il faut faire attention de la façon vous terminez les choses et consacrer beaucoup plus d'attention à une sortie réussie qu'une entrée très applaudie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et gens ou sortis dans n'importe quelle situation, que ce soit dans un travail, un boulot, une relation amicale, une relation sentimentale, sortir d'un paquet à ouais avec comment tout bagaille va lier. Prenons par exemple que tu as un boulot, pas vrai, ou embauché, tu as été embauché dans une grande entreprise et entreprise ça arrivé que au commencement, ça allait bien parce que tu es entré très calé, zélé, tu as de l'énergie et bien éduqué, tu as toutes les formations requises pour un job là, ou qualifié pour job là. Mais après quelques temps, ou bien de très bonnes relations avec tes collègues et après quelques temps, ils ont demandé pour laisser parce que soit yo outsourcing job ou bien yo pa gen plas encore et l'écouter entreprise entrecorp yo avoye ou aller. Est-ce que vous avez fait tout un scandale pour quitter ou bien vous avez juste dit merci beaucoup et puis si vous faites un farewell pour ou aller. Et n'oubliez pas, moi de sortir très important. Entreprise ça ou bien pour demander une référence pour dans l'autre entreprise ou pour aller alors il y a bon lettre de référence oui mais si on relaie il a posé toute question parce que moi j'étais fait j'étais travaillé dans ressources humaines il a demandé qui est souillé qui tempérament qui monouillé qui ci qui ça veut dire où besoin monde ça sortir très important ça veut dire obligé faire attention dans la façon qu'on va sortir mais pour mon yo même manquer ou. Parce que non, l'autre monde vient dans le travail là pour toujours citer non pour dire mais comment t'es dans le travail là. Est-ce que ça arrive que au café manquer ou l'on passe dans le travail? Deux, non, relation amicale, pas vrai? On est bien ensemble, on a de très bonnes relations, nous voyageons ensemble, nous faisons des histoires ensemble. Ça allait très, très, très bien. Mais il faut surtout pas oublier relation en elle-même n'est pas quelque chose de facile. C'est la chose pour moi la plus difficile dans la vie, c'est relation. Parce que dans une relation, on peut laisser tomber très facilement. C'est pas ou pas de corps, ou fatigué, ou malade. Une relation, la personne, monde qui est dans la relation, t'es qui doit vraiment fou. Mais elle est arrivée pour laisser tomber, elle a juste marché l'aller. Ça vraiment, je n'ai pas une réponse magique. C'est vraiment, ça a vraiment tourmenté l'esprit. Des fois, pas qu'à concilier deux bagages ça y est pour moi comment ça marchait. Mais ça arrive que ça allait très bien
Et relation doit finir. Et s'il vous plaît, finir, pas de problème, non? C'est fini en cul de poisson. C'est ça qui problème, moi. Moi, je dis, mais c'est aussi simple. On doit terminer avec la relation, ça ne marche pas. Et nous, ou t'es au ciel en bleu, moi, ou le vert. C'est pas nous pas tomber, d'accord. Même toujours été quoi, nos indifférences ne nous opposent pas pour autant. Et les goûts et les couleurs, pas changer qui est-ce qui dit ça. Ça ne se discute pas. Ou bien, si elle est bleu, moi, elle est vert. Ça, c'est opinion personnelle. Ça n'a rien à voir avec absolument rien. Mais le plus souvent, en tant qu'humain, nous parlons d'indifférence. C'est que mon ado est bleu, bleu. Non! On n'est pas des robots. Et puis, on le dicton qui dit, va changer côté. Ou qu'à changer opinion. Ah, ça, c'est opinion personnelle. Ou pas faire recherche pour lui. Ou pas baser son moyen. C'est opinion. OK? Ça, c'est, on l'autre. Relation deux amis. Ah, ça, c'est terrible. Moun yo te bien, yo voyage, yo paquet bagay ensemble. Les pour quitter ça, c'est très simple. Juste en claquant les doigts. Et c'est fini. Mais il n'y a pas fini comme ça si tu as un consensus. Si deux moun yo t'a accepté rencontrer pour yo parler, pour yo discuter, ça te pas bon. Mais d'habitude, je ne pas trouver ça en pile, je ne pas trouver ça en pile. Moi, quand je suis dans une relation, si ça ne marche pas, moi, je voulais qu'on ait ça passé. Mais tout autant, parce que depuis que je ne peux pas dialoguer, je vais laisser tomber. Parce que si je ne peux pas parler, je ne peux pas dire rien et je vais disparaître. Ok, qui pas bien, mais vous connaissez chaque monde de façon pas. Et l'autre relation, c'est la relation sentimentale, la relation amoureuse. Le mariage, c'était splendide, spectaculaire. Nous réunis près de 250 personnes. C'est la belle vie. Mais il faut pas oublier, tout début est très facile. Le début n'a rien à voir. Ou tu peux passer 10 000 ans bien avec mon. Le mariage avec mon, c'est une autre vie. Il prend mon temps pour apprendre à connaître cette personne. Des fois, on dit, oh. Mais c'est pas mon ça me déconne. Ou après mon nom bizarre devant. Regardez les mon nom paraît devant. On lui dit, oh my God. Mon ça fait me changer. C'est son garçon. Fait me changer papa. Qui a pas embêté moi. C'est-à-dire, c'est deux mondes. Mais il faut pas oublier, même si je suis en train de plaisanter, la Bible nous dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront. Ça deviendront, yeah, c'est futur. Ça veut dire pas, c'est pas du jour au lendemain. Just like that. Comme on est clair, les paroles deviendront. Deviendront son process. Un long process. On pas qu'être route, mais il faut avoir patience pour être dans le long process. Il y a des gens qui ont patience qui restent. Il y a des gens qui n'ont pas patience pour arrêter. Il y a des gens qui tombent pendant la route, durant le marché. Hein, parce que la route est longue. Voilà, c'est difficile. Ou imaginons que c'est arrivé que. Ou pas. Tout est brisé, hein? C'est terminé, la relation est brisée, on n'est plus ensemble et on était nous t'aimer l'un l'autre. Mais relation pas a besoin de finir en queue de poisson. Il y a moyen pour pas finir en queue de poisson. Si nous voyons que ça pas marché, nous avons décidé que on va laisser tomber. Avec une réunion, on va laisser tomber. Je sais que c'est pas aussi facile, mais ce qui m'embête, c'est que les relations finies, nous venons des ennemis. Même les gens qui remet fait ça, nous pas quitter remet et puis nous quitter, nous des ennemis. Des ennemis, peut-être qui va être grave qui pourrait passer dans remet pour nous venir des ennemis. Moi, je ne sais pas. En tout cas, il est vraiment, vraiment, il est très important la façon dont vous terminez les choses, mais il faut consacrer beaucoup plus d'attention à une sortie réussi qu'une entrée très applaudie. Une sortie réussie. Est-ce que pas son côté yon manqué? Moi-même, si je t'ai fait li, le mois relation pour terminer, moi ça ne va pas. Parce que les relations pour arriver dans déclin, c'est pas une relation finie du jour au lendemain, mais gen pas fini du jour au lendemain. Gon histoire, gon processus, gon bagay, gen ti yin, gen ti bagay kap passe, automatiquement konnen relation sa presque terminée.
Mais si elle est presque terminée, ou qu'à fond Jean, fait elle pas terminer, Jean voulait Jean là où elle pas terminer, ou fond Jean, ou manipuler les choses pour faire relation tourner. Là où est toute bagaille bien, laisse ça aller. Quand ça ne pas finir avec le poisson, at least tu peux avoir là l'opportunité qu'on pas ou qu'à parler avec moi. Non, mais là, elle finit avec le poisson, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Une pas voulu rencontrer avec l'autre. Mais c'est vraiment important la façon dont vous terminez les choses. Ils ont dit comme ça que le plus souvent, monde qui pas même pas quoi de chance, il y a pile monde qui ont des débuts favorables, la vie a été sourie, bah yo, et ils ont fait tragique. Ça arrivait des fois dans acteurs, yo, actrices, yo, monde qui icon dans société, monde que yeux sur yo. Le plus souvent qu'on voit, ils ont dit au monde a fini mal. C'est ça fait li vraiment important pour travail sous finissement n'importe bagaille qui dans la vie ou n'importe monde qui dans la vie ou pas ta vle que relation finit mal malgré mal l'envie pour le présenter mon taka jouer le tout pour le tout pour que cette relation gon aspect qui pas catastrophique. La personne peut te plaquer, la personne ne veut plus de toi, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ça, je peux comprendre. Mais en temps, on n'aime pas la défaite. Pas de monde qui remet défaite. Pas de monde qui remet défaite. Mais ça arrive, ça fait partie de la vie. Parce que la vie englobait un peu de tout. Mais relation, comme je vous ai dit, c'est la chose la plus difficile à vivre. Vivre dans une relation, ah, c'est compromis, c'est patience, c'est accepter. Parce que tu peux laisser tomber aujourd'hui, tu vas laisser tomber demain. Parce que bagay dans la vie, yo gon tout ça t'rive répéter. Ça, il n'y a pas sortir de là. De, si vous pensez dans la tête, ou bien c'est le bagay qui arrive dans le même jour, dans la même date. Ou faites attention avec répétition dans la vie. C'est ça fait que c'est le bagay ou pas fait plusieurs fois. C'est pour mettre dans la tête. Et puis non seulement vous répétez, et vous pouvez répéter en l'autre côté. Il y a des gens qui répètent le pour. Ça veut dire que si vous avez répété, vous avez bagay qu'on fait. Et parce que son. C'est un cercle, la tourner, 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 parce que le papa de quel côté. Relation familiale, c'est pareil. Il y a une famille qui connaît même bagaille là, chaque 5 ans ou chaque 10 ans, yo connaît même bagaille là. Il m'était arrivé dans ma vie presque chaque 2 ans, moi j'étais on pas qui répéter dans la vie moi. Le moment que ça arrivait chaque 2 ans, me dit non mais ça c'est pas possible. Pour que ça chaque 2 ans moi gon bagaille ka privé. Les pour prendre conscience de ces deux bagailles automatiquement, il faut passer à l'action. Si on prie ou prier, ou après dans counseling ou dans counseling, parce qu'il faut passer à l'action parce que gon bagaille qui répéter dans la vie, faut faire attention. Comme je vous ai dit tantôt, si vous êtes dans une relation et la rupture pèse sur votre esprit, il pourrait être temps pour que la partie la plus difficile, dire à la personne que vous aimez quelque chose qui va inévitablement leur faire du mal. Et oui, c'est vraiment dur. Tu dois dire à la personne, je m'en vais, je dois m'en aller parce que la relation n'est pas en santé. Je dois laisser cette relation parce que ça ne marche pas. Une relation qui n'est pas en santé, car tu as beaucoup plus et qu'on allait. C'est préférable qu'on allait. Et puis il y a un auteur inconnu qui dit comme ça que une personne peut oublier à quel point quelque chose était désagréable ou difficile. Parce que tout s'est terminé dans le bon sens. Les tout terminé, tout finit bien, tout bagaille finit bien, ou tout bagaille qui était mal, yo, ka bliye yo. Mais si bagaille finit mal, ou a tout changé, tout bagaille qui était mal, yo, ou a changé, yo. C'est-à-dire, il est vraiment important que tout va bien, qu'il se termine bien. En relation amicale, familiale. Et le plus important pour moi, c'est une opinion personnelle. Il est préférable de dire à la personne, on va laisser tomber, il faut laisser tomber parce que ça ne marche pas.
Bon, c'est que, ou qu'on échange le proverbe créole là qui dit bon règlement pas gâté pratique. Oui, bon règlement, il est préférable que nous parler, nous communiquer. Parce que dans la relation, et moi qui étais tout sujet, c'est clé. Communication, c'est clé. Parce qu'au bureau, tu n'as pas le choix. Parce que si le patron a décidé pour vous aller, parce qu'on n'a pas le choix, ça, c'est le patron qui décide. Mais dans une relation personne, deux personnes, c'est-à-dire son monde qui décide, un monde qui a décidé pour y aller. Ouais. Si on peut trouver un terrain d'entente, c'est bien. Mais si on ne trouve pas un terrain d'entente, mais pour trouver un terrain d'entente, il faut qu'il y ait un dialogue, quoi. Il faut qu'on en parle, il faut en discuter. Mais ce que j'aime pas, mais d'habitude dans ma vie passée, je fais toujours un bilan chaque année pour voir avec n'importe monde que tu as une relation, hein, pour moi, qui s'est pas passé, qui sont pas très bien, qui sont allés même changer. C'est aussi simple que ça pour une relation. Sont pas très bien. Ah oui, je ne pas très bien ça, je ne pas très bien ça, je ne pas très bien ça. Même si je fais un bilan médical ou un docteur font un check-up, c'est aussi important pour faire un check-up dans la vie autour. Parce que c'est le bagage peut-être qui n'en vaut pas, même rendre compte de lui, sans un monde qui sincère ou même faut qu'on ait. Mais moi, j'aimerais que un monde dit, m'aller pour mal réfléchir, mal travailler sur lui. C'est aussi simple que ça. Mais je ne voulais pas vous laisser sans quelques versets bibliques. Donnez-moi une minute. OK, je vous invite à lire 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Je peux commencer, mais je ne vais pas terminer. Do you not know that in a race, all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Vous pouvez lire dans ton panneau. Dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ça a été un plaisir. Merci pour le petit temps qu'on a passé ensemble et à très bientôt. N'oubliez surtout pas, look and well. N'importe ça va faire, and well. C'est pas commencement non qui est important. C'est Jean pour le finir. Ça a gagné un paquet. Ah ouais, avec impact que pour le gagner demain si Dieu veut, impact qui pour le gagner dans la vie l'autre monde et impact sur la société. En général. À bientôt.